Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Bon, après l'effort, voilà, cette Voilà, pause. oui. Donc, qu'est-ce que vous nous avez montré? Alors, j'ai montré comment on pouvait se mettre à l'envers parce que les guerriers de l'époque tiraient des flèches à l'envers. Avec la tenue d'époque. Voilà, on a trouvé une tunique qui se rapprochait beaucoup de l'illustration du Xe siècle. Et puis le bleu, c'est un bleu Moyen-Âge, donc on a voulu rentrer dans comme à l'époque. Le bidet breton, il avait la particularité d'aller à l'amble, c'est-à-dire qu'il se déplaçait par bipèdes latéraux, contrairement au trot, qui est une allure où là, le cheval se déplace par bipèdes diagonaux. Et l'amble, finalement, il n'y a pas cet effet rebond qu'on peut ressentir quand on est au trot. La colonne vertébrale, elle reste au même niveau, ce qui est d'un très grand confort. Et c'est une allure qui était recherchée aussi pour les dames qui montaient en Amazon. Du coup, ça simplifie la figure, la stratégie pour D'accord. vaincre Alors l'ennemi. on comprend mieux parce qu'on voit que c'est très difficile, hein, mais si ils ont un cheval qui est adapté, qui marche à l'amble, du coup ça rend les choses tout à fait faciles. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Et donc il n'y a plus de chevaux qui marchent à l'amble maintenant naturellement. Alors si, l'Islandais, c'est apparemment le dernier. Et puis ceux qui sont issus du cheval islandais, ils peuvent parfois garder l'amble. Ouais. À quoi il faut penser en premier lieu quand on est en train de monter un cheval, qu'on va le monter à l'envers et qu'on va tirer un arc. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du cavalier? L'objectif en fait, l'objectif de ce qu'on a à faire et le corps va suivre. Voilà. Mais à force de s'entraîner, le corps connaît et le corps fait les exercices. Voilà. Donc ça demande quand même une sacrée symbiose avec le cheval. Il y a ça aussi, parce que le cheval, il faut qu'il sache qu'on réalise ce genre de figure. La première fois, ça peut le surprendre un peu et puis il peut entamer une petite allure de fuite parce qu'il se demande ce qui se passe. Donc oui, il faut de l'entraînement avec le cheval. Les Voilà. chevaux aiment travailler en général. Ah oui, ils aiment beaucoup servir l'homme en fait, en quelque sorte, parce qu'au cours de l'évolution, ils ont été sélectionnés pour travailler avec l'homme, et quelque part, au fil des millénaires, ils ont besoin de travailler avec l'homme. Forts de leur avantage et bénéficiant de l'initiative du combat, les Bretons lancent leur cavalerie. C'est l'armée d'élite. Les fantassins sont en retrait pour assurer le camp des Rispoé. Avec force et précision, les cavaliers bretons déciment les Saxons par une pluie incessante de javelines. Les assauts viennent de toutes parts. Ils sont furtifs et imprévisibles. Les Saxons désorientés refluent vers les troupes franques. Ils sont poursuivis par les Bretons qui trouent les défenses de ces derniers. Les soldats de Charles le Chauve sont désemparés. L'ennemi est partout, rapide, puissant. Cette technique de combat bien adaptée au terrain lui donne un avantage certain. Les cavaliers de l'Ouest, une fois qu'ils ont épuisé leurs 3 ou 4 javelines et asséné quelques coups d'épée au passage, repartent vers leur ligne pour faire le plein et changer de monture. Par vagues successives, ils ne laissent aucun répit aux Francs, jusqu'à la nuit. On savait que c'était de très bons combattants. Ils ont toujours eu cette réputation, entre parenthèses, d'être de très très bons combattants. Il ne faut pas oublier qu'ils ont participé à la bataille d'Hastings en 1066 et qu'ils ont combattu pendant les guerres d'Italie avec François Ier. C'est eux qui ont gagné quand même la guerre de 100 ans. C'est pas rien, donc ce sont très bons combattants. Et d'une certaine manière, même encore aujourd'hui, hein, il suffit de voir dans l'armée française le nombre de Bretons. Le jour suivant, même peine, même punition. Les Francs sont battus à plate couture. Alors dans cette nuit, du 23 au 24 août 851 en terre bretonne, Charles le Chauve va compter ses abattis. Il va prendre une décision fatidique pour ses troupes. Il va s'enfuir avec son trésor et laisser ses attributs royaux sur place. Le matin du 24 août, les Bretons observent la fébrilité des Francs due à l'absence de leur chef. Ils comprennent car Charles Chauve s'était déjà enfui à Bâlon,
Alors ils foncent sur les Francs. C'est la curée, l'Alali. Les Saxons encore en vie sont passés par le fil de l'épée et les fuyards rattrapés par les hommes des Rispoé. La mort faisait partie de la vie. C'était très très bien intégré dans les familles. On savait que on perdrait des enfants en bas âge, que les plus anciens ne vivaient pas très longtemps. Alors, quand on parle de la moyenne d'âge, ça ne veut rien dire, parce qu'on parle de moyenne d'âge très basse. Mais il y a des gens qui ont vécu plus de 80 ans. On le retrouve, on peut le constater à travers l'étude des nécropoles de cette période-là. Mais c'est vrai qu'il y avait les plus faibles disparaissaient très vite. La mort était donc traitée par les familles dans le premier temps, dans le haut Moyen Âge, et c'est seulement à partir du 8e, 9e, 10e siècle, surtout du 11e, que le clergé s'est emparé de la gestion de la mort au détriment des familles. Et là, il y a eu un changement profond. C'est-à-dire le clergé, pour soumettre les familles à leur dogme, a présenté la mort comme le jugement dernier. Et donc, ça sous-entendait qu'il fallait se soumettre à tous les préceptes de l'Église. Alors qu'avant, la mort était vécue d'une façon acceptée, on ne pourrait pas dire sereine, mais ça faisait partie de la vie, c'était le dernier acte de la vie, mais c'était intégré dans la vie. Dès lors que le clergé prend en charge la gestion de la mort, la conception de la mort change complètement dans les populations, qu'ils le voient comme pratiquement une damnation du Très-Haut, avec un jugement où il y a séparation de l'âme et du corps. Alors ça implique, il y a des rituels qui sont mis, qui sont élaborés par le clergé, et puis il y a aussi toute une série de cérémoniales avec des chants qu'on appelle des planctus, qui permettent de rythmer la cérémonie religieuse, et la mort est théâtralisée à cette époque-là pour lui donner plus d'impact sur les vivants. On enterre les gens selon les moyens des familles. Les riches, les très riches, vont même récupérer des sarcophages plus anciens, quelquefois des très beaux sarcophages gallo-romains sculptés pour pouvoir se faire enterrer dedans. Ceux qui n'ont pas trop de moyens vont se contenter de sarcophages en pierre locale. Et puis, il va y avoir les cercueils en bois, et quelquefois seulement un linceul. Par contre, quand on va quitter le haut Moyen-Âge pour arriver au bas Moyen-Âge, après le 15e siècle, on va voir des évolutions où là, on va arriver à dissocier les éléments du corps. On va couper le corps, on va en extraire le cœur. On va ouvrir le corps, on va en extraire le cœur, et on va faire on va mettre le cœur, comme celui d'Anne de Bretagne, dans des petits coffres, et le cœur sera enterré dans un endroit et le corps dans un autre. La couleur du deuil, c'était pas le noir à l'époque. Non, le noir apparaît beaucoup plus tardivement. Le noir apparaît vers le fin 14e siècle, 15e siècle seulement, pour la simple raison c'est que le noir est très très difficile à faire tenir sur un tissu. Donc les couleurs les plus anciennes de l'inhumation, du deuil, sont le blanc. Et puis après, on va passer doucement au parme, au gris, pour arriver au noir. Mais le noir ne sera utilisé dans les premiers temps que par la haute noblesse, par les rois dans les cours royales. Anne de Bretagne sera effectivement habillée en noir. Ce sera une des premières veuves à être habillée en noir. Ce n'est pas une défaite pour Charles le Chauve, c'est Waterloo. Car dans cette bataille, nombreuses sont les élites franques qui ont mordu la poussière. Dont Vivian, comte de Tours, Gosbert, le jeune comte du Maine, Imerad, comte du Palatin, et bien d'autres. C'est un cataclysme. Charles le Chauve a tout perdu, même l'honneur. Nous sommes fin août, les Bretons pensent à moissonner leur blé. Ils ont aussi moissonné une sacrée victoire. Et Rispoé sera reconnu enfin roi des Bretons. Une exception dans la Carolingie.